Arrêtez en haut, ça suffit, on fait un peu, monsieur. Du calme. On s'entend plus, nous autres. Du calme. On, c'est un autre genre de chanson, monsieur Léveillé. Oui. C'est autre chose. Oui, on n'a pas eu le temps de parler d'Europe parce qu'il y a des. Il y a eu des affinements. Oui, mais j'allais pas parler de ça. Ouais, non, c'est, oui, c'est parce qu'il y a eu j'ai des. J'ai déjà trop parlé, là. Non, mais. C'est, peut-être faire une petite incursion en Europe maintenant, avec, je sais pas. Moi, est-ce que vous nous présentez Mitsu si je le fais? Mesdames et messieurs, dans ces journées froides et grises, voici un sacré beau rayon de soleil, un coup de jeunesse pour les deux pépés. Mesdames et messieurs, voici Mitsu! Monsieur Claude Léveillé. Ah, ils sont Frédéric. Son Frédéric avait fait le. Ça va? Très bien. Parfait. Son Frédéric avait fait la moitié de la planète, puis vous n'étiez même pas né encore. Oui, mais. Non, mais non. Je ne sais pas, mais je la connais beaucoup, par exemple. Oui, la mère, et je l'apprécie. Ah oui? Oui. Déjà, avez-vous 25 ans? Pas 25 ans, pas encore, l'année prochaine. Elle n'a pas 25 ans, monsieur Léveillé, rendez-vous compte? Hein? Ben, je sais, j'ai compris. Rendez-vous compte, je n'ai pas 25 ans. Frédéric date de 61, lui, ça veut vous rendez compte. C'est, ça. Mitsu, c'est l'année où le Yaya a été créé. Avec Joël Dill, la traduction non, ou du tout, l'américaine? C'est les Beatles qui l'ont chanté. Les Beatles ont chanté oui, le Yaya. C'est oh, pas eux qui l'ont composé, mais c'est les Beatles qui ont chanté. John Lennon deux fois et à Hambourg en 61.
les Beatles. Tiens, vous nous en apprenez des choses, oulala. Mais je vais vous apprendre une chose, mesdames, messieurs. Mitsou, comédienne, mais ça, on le savait déjà. Mitsou a fait Coyote, un film, Coyote. Bon, puis à part de ça, vous jouez dans quoi? Écoutez, je fais une apparition spéciale la semaine prochaine dans Chambre en ville. Oh, racontez-moi dans ça. Pas sur Scoop. Racontez-moi. Pas sur Scoop. Oh. J'ai rien compris. Moi, je suis pas le réalisateur, ouais, je suis pas l'auteur, moi. Ben, c'est que on a eu l'idée de m'inviter dans Chambre en ville, une idée merveilleuse parce que je me suis amusée, j'ai adoré. Vous jouez un personnage ou vous jouez Mitsou? C'est Mitsou qui arrive dans Chambre en ville parce que le personnage de Grégory Charles, qui est Julien, devient chanteur et puis il commence à avoir du succès et puis il est invité à chanter dans un gala en duo avec Mitsou. Alors Mitsou va répéter dans la pension de Chambre en ville et rencontre tout le monde et alors il arrive de la jalousie là-dedans, de l'admiration, un peu de tout. Ah, puis comment vous êtes senti dans ce milieu de comédien, là, Chambre en ville? Il y a de l'atmosphère là-dedans. Hein? Ouais. Encore plus que je le croyais. Ouais. J'avais vu une bonne soirée à votre émission, justement. La gang de Chambre en ville était venue. Puis ils avaient dit comment ils s'amusaient. Bon, je me disais, bon, s'ils disent juste ça, c'est arrangé avec le gars des vues. Mais non, c'est fou. C'est complètement... Je vais vous dire, moi, ça a été tourné, ça, vers la fin de la dernière saison. L'épisode a été tourné, je pense. C'est ça, c'était la dernière de la saison. On était dans le studio voisin à l'époque, et puis il avait fait un party de fin de saison. J'arrivais incroyable. Dans le party. Ouais, vous étiez là aussi. Mesdames et messieurs, on va vous montrer quelques images. On a des images de cette... qui va passer la semaine prochaine, je pense. Je crois que c'est la semaine prochaine. Un extrait de Chambre en ville. Je pense que ça va aller. Pour moi, ça devrait marcher, parce que c'est bien écœurant. Et moi, je m'appelle Pete. Puis Béliveau, il habite ici. Mon chum aussi. Hein? Hey, je suis bien content de te rencontrer. C'est... Hein, t'es encore plus belle dans la vraie vie qu'à la TV. Ben, merci. Ouais. Hey, je voulais te présenter un ami, là. Hey, Pete, on travaille. Rien que deux minutes, OK? Oh, c'est correct, deux minutes. Hey. C'est Marc-André. Salut, enchanté. Bonjour. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ah, oh, mais merci. Marc-André, il y a eu un accident bien vivre. Bon, on l'a eu toi avec Julien, mais là, il est correct. Il y a juste un petit peu de problème pour parler, puis ses jambes, mais c'est correct, hein, Marc-André? C'est... Un mot du disque, la chanson entendue, ben c'est sur ce disque très discret qu'elle est venue lancer ici. Absolument. Un petit moment, il y a quelques semaines à peine, il va bien le disque. Oui, bon, merci beaucoup pour le lancement, c'était super. Ça me fait plaisir. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'un petit concours. Oui. Vous avez un petit concours, vous invitez des gens. C'est assez particulier ça, les copains, je ne sais pas ce que vous faites dans le temps de Noël, dans le temps du jour de l'an, mais on a une invitation à vous faire. Une belle invitation, merci d'ailleurs à Adlib, parce que vous nous aidez avec ce concours-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous invite à gagner, venez danser le Yaya avec Mitsou à Cuba au Super Club Varadero. Monsieur Léveillé, on est prêt. Qu'est-ce que vous faites dans le temps des fêtes, vous, là? Je travaille. Vous pouvez, parce que même si vous ne gagnez pas, vous pouvez venir nous rejoindre aussi au Super Club à Cuba. Hein? Mais je sais que vous, disons que vous êtes occupé pendant ce temps-là. Vous avez une famille à vous occuper, une maison. C'est plutôt ma famille qui s'occupe de moi. Mais pour ceux qui n'ont pas de maison dans le Sud, l'invitation est ouverte. Ce que vous faites, ben, à partir de la semaine prochaine, vous allez annoncer le concours ici à Adlib. Et puis, les coupons de participation sont dans Éco-Vedette. Et puis, vous envoyez tout ça à C'est quoi? Et puis, on fait un tirage. Et puis, il y a des gens qui vont venir le 9 décembre prochain gagner ici, venir danser avec nous à Adlib pour le spécial de Noël. Et dans toute cette gang-là... Venir danser à Adlib, oui. Ouais, mais j'apprends ça, c'est parfait. On va être là, nous autres. Comptez chez nous autres. Comme un tourbillon. Et puis, finalement, quatre personnes vont gagner deux billets. Pour venir avec moi danser le Yaya, on part le 1er janvier. C'est un beau cadeau, ça. C'est un beau cadeau. Puis je vous souhaite bonne chance, les petits camarades. Mais merci infiniment, Mitsou. Merci beaucoup. Nous allons passer la publicité, mesdames, messieurs. À venir une autre chanson de Claude Léveillé, M. Jean Vidéo.
nous allons être obligés de travailler tout à fait autrement, puisque nous n'allons pas...